Philippiens au chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. De la même manière, Seigneur, c'est vrai qu'on ne se lasse pas d'annoncer toujours l'Évangile, Seigneur mon Dieu, aux païens, parce que cela leur est salutaire. Le message de la croix. Amen. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, et qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis dis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables, à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. On voit bien, Seigneur, toujours le conditionnel de Paul, si je le puis. Merci, Seigneur mon Dieu, parce qu'il savait, Seigneur mon Dieu, qu'il ne devait pas se faire confiance à lui-même pour son salut, Seigneur mon Dieu, mais qu'il devait, Seigneur, persévérer dans la foi et dans le bon combat, pour obtenir ce qui est promis. Que ton nom soit béni, Seigneur Père, dans le beau nom de ton fils Jésus. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. De même manière, Seigneur, on ne veut pas regarder à ce qu'on était, Seigneur mon Dieu dans le passé, mais on veut regarder à ce que tu veux que nous soyons à l'avenir, dès à présent. Amen. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Garde-nous, Seigneur. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant, encore, en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Garde-nous, Seigneur. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen.